Très bien, regardons quand on parle d'une période. Une période. Par exemple, la classe de français sur le campus. La classe de français commence à 9h du matin jusqu'à 11h15. Par conséquent, on va dire la classe et on va utiliser 2 de 9h à 11h15. Et c'est important d'utiliser ces deux prépositions. De 9h à 11h15, ça indique que c'est une période, une durée. Une durée de quoi? De 2h15. D'accord? Ok, regardons le programme. Par exemple, qu'est-ce qui est intéressant à la télé? Ok, regardons cette émission. Cette émission, on ne voit pas très bien. Cette émission est de. De quelle heure? C'est vrai, elle est de 9h45 à 10h45. Mais vous vous souvenez, en général, on dit la soustraction. Par conséquent, cette émission est de, oui, 10h moins le quart ou moins quart. Elle est de 10h moins le quart à quelle heure? C'est vrai, à 11h moins le quart ou moins quart. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ici, on a un système de déduction quand on a les minutes. On ajoute les minutes ou on enlève les minutes. Par conséquent, 9h45, c'est bien 10h moins 15 minutes et on a bien 9h45. Ok, regardons une autre émission. Voyons voir, qu'est-ce qui est intéressant? Regardons celle-là qui fait partie des heures militaires. Cette émission est de quelle heure à quelle heure? C'est vrai. Elle est de midi. Midi à quelle heure? À. Oui. À 2h. 2h. Moins 20. Pourquoi? Parce que quand c'est un magazine, quand c'est imprimé, quand c'est l'heure officielle, oui, de 12h à 13h40. Mais mentalement, on va traduire dans la conversation. Par conséquent, c'est bien de midi, puisque 12h dans la conversation, c'est midi, de midi à quelle heure? Oui, 13h40. 13h40 en heure militaire, ça donne quoi? Ça vous donne bien 1h40. Et si on utilise le système de déduction, c'est bien 2h moins 20 minutes, ce qui donne 1h40. Par conséquent, je rappelle, les heures militaires uniquement sur le papier, sur l'imprimé officiel. En conversation, on va traduire. Et finalement, quand on veut exprimer une période, utiliser la préposition de à la préposition à. Par exemple, classe. Ok, les examens de la classe de français 1A sont, c'est vrai, de lundi à dimanche soir, à dimanche minuit, oui. Quand on veut exprimer une période, on veut utiliser ces deux prépositions. Voilà.